Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Belle séance aujourd'hui, puisque nous avons conjuré les signes assez dangereux, les signaux d'alerte d'hier, avec la bougie qui avait échoué sur la Bollinger supérieure, le haut du canal noir, et nous repartons de l'avant. Bon, la conviction est là, manque un petit peu de souffle, mais c'est une belle bougie quand même qui nous permet d'engranger 0,55% sur l'or. À remettre dans un contexte qui est plutôt favorable, avec un MACD positif au-dessus de son signal, un momentum positif et un stochastique en zone de surachat puisqu'il est supérieur à 80. La présence des divergences baissières ici sur le momentum et stochastique montre que la hausse actuelle a quelque chose de malsain, mais c'est aussi dans ce genre de situation qu'on peut assister à des explosions dans un sens ou dans l'autre, hein, des euphories, des crashs haussiers ou baissiers. À suivre donc. En tout cas, il faudrait s'affranchir pour de bon du haut du canal noir afin que l'on puisse aller chercher la médiane de la fourchette mauve qui tend les bras maintenant et qui n'est plus qu'à une poignée de dollars des cours actuels. Alors justement, comment trader l'or demain? Si vous êtes haussier sur l'or, eh bien vous pouvez tenter de rentrer au contact de la M7 ou sur perforation de la M7, l'objectif étant d'aller chercher en intraday la Bollinger supérieure, et puis sur plusieurs jours aller chercher la médiane de la fourchette bleue. Si vous êtes prudent, vous attendrez plutôt un retour sur la M20 pour entrer. Si vous êtes baissier, il n'y a pas de point d'entrée immédiat. Il vaut mieux, je pense, attendre qu'il y ait un échec sur le franchissement du canal noir ou éventuellement après percussion de la médiane en espérant que on retourne faire une rotation baissière et chercher le bas de la fourchette d'Andrews bleu. Donc les deux possibilités sont là. J'aurais tendance à dire qu'il faut éviter de trader contre la tendance. Donc personnellement, je continue de donner ma préférence au trade haussier. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.